Passage extrêmement rapide en 53 secondes. 53 secondes pour les meneurs de cette deuxième section. C'est Grégoire Bouchard du club Les Vainqueurs qui a pris la tête. Il semble être sur des bases extrêmement rapides. Tout ce que tu viens de voir là, c'est des images de cette année. Pas mal, hein? Je pense qu'on pourrait s'entendre que ça a été une bonne année, hein? Malgré ça, à différents moments de l'année, même aller jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les athlètes posaient quand même pas mal de questions sur l'entraînement. Pourquoi on fait pas ci? Pourquoi on fait pas ça? Peut-être qu'on devrait faire les choses d'une autre manière? Des trucs comme ça. Et ça, malgré une année où les athlètes ont obtenu une amélioration sur toutes les distances. Faut aussi mentionner que le milieu du sport est lui-même rempli de contradictions, d'opinions différentes, d'idées, d'informations, et bien d'autres affaires. Même les différents coachs ne s'entendent pas à 100% sur l'entraînement. Il n'y a pas deux coachs dans le monde qui font exactement la même chose. Et pourtant, beaucoup d'athlètes progressent quand même. Je reviens avec le concept de confiance. Un athlète qui a confiance en son coach, les deux vont avoir beaucoup plus de fun ensemble et l'athlète va progresser davantage. Mais ici quand même, je fais un film qui donne mon point de vue aujourd'hui, en 2014, sur l'entraînement. Le contenu et mes idées d'aujourd'hui pourraient faire réagir bien du monde qui pourrait essayer de prouver le contraire. Ben oui, il y a souvent plusieurs moyens de faire progresser les athlètes, donc oui, je reste ouvert d'esprit, mais en appliquant ce que je vais te présenter ici, on a jusqu'à présent obtenu une progression chez 100% des athlètes, c'est la progression la plus marquante qu'on a eue, puis on parle ici d'athlètes et de coureurs expérimentés quand même, là. Tout ça est quand même un peu frustrant, parce que comme coach, on travaille fort à préparer des séances, on travaille fort pour l'athlète, puis au final, on a un salaire de misère. Les athlètes progressent, puis quand même, ils font sentir comme quoi qu'ils remettent en doute ce qui a été fait. Je peux comprendre, tu sais. L'athlète, ça fait quelques années qu'il s'entraîne, il est devenu parmi les meilleurs au pays, il obtient de la confiance en lui, il veut beaucoup, puis en plus, les athlètes sont souvent des gens de fort caractère et très motivés. Alors, c'est pas toujours évident, comme entraîneur, d'influencer quelqu'un d'aussi fort. L'athlète court peut-être depuis longtemps, là. Ils sont peut-être parmi les meilleurs au monde, mais ça fait pas de lui un coach pour autant. Bon, donc, parlons un peu d'entraînement ici. Le cœur, c'est un muscle, puis il devient de plus en plus performant avec l'entraînement. Le cœur contribue à faire circuler le sang dans le corps. Bien sûr, pour faire ça, il y a besoin d'aide. Puis il existe ce qu'il appelle la vascularisation. Pour simplifier, là, on pourrait dire que c'est le moyen de transport du sang pour se déplacer dans le corps. Donc le cœur devient de plus en plus performant et son moyen de transport, la vascularisation, devient aussi de plus en plus performant. Ce qui fait que le sang peut circuler plus efficacement à travers le corps. Puis le sang, bien, il transporte ce qui est nécessaire pour produire l'énergie dont tu as besoin. Dans un effort d'endurance, c'est ce que tu as mangé plus l'air respiré qui va te fournir l'énergie dont tu as besoin pour avancer. Une fois que cette énergie-là a été utilisée, il reste quelque chose. On va appeler ça de l'acide lactique. C'est un sujet dont tu as probablement déjà entendu parler. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, mais ils appellent ça autrement. Ou en tout cas, on entend bien des affaires là-dessus. Quand l'énergie est utilisée, il reste quelque chose. Puis dans ce film-là, on va appeler ça de l'acide lactique. On est toujours en train de faire des actions, aussi petites soient-elles. Donc, on est toujours en train de faire de l'acide lactique. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte puisque le corps réussit à s'organiser avec sans aucun problème. Tout ça est un phénomène qui se fait en boucle. Ça se répète encore et encore pour continuer de produire de l'énergie dont tu as besoin. Mais quand l'effort devient plus grand, on brûle davantage d'énergie, donc en même temps, il y a davantage d'acide lactique. Tant que le corps est capable de s'organiser avec, ça va bien. Mais quand il arrive un point où il y en a trop par rapport à ce qu'il est capable de tolérer, l'effort devient moins facile et c'est pas super agréable. Il y a des athlètes pour qui ça a l'air bien impressionnant, mais tu devrais voir ça dans toute sa simplicité et garder l'idée que tu peux y faire quelque chose. Ben oui, il arrive un point dans une course là où les choses deviennent moins faciles.
tu peux te dire que c'est normal, genre, ah, je suis dans l'acide, puis ben, je vais attendre la ligne d'arrivée. Ou bien tu peux te dire, ok, ce sera du moins facile, là. On va juste voir c'est qui est capable de poursuivre la course avec le plus de combativité jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour ton info, là, ça arrive des fois que le lendemain d'un entraînement ou d'une compétition, que tu aies des drôles de perceptions dans les muscles. Souvent, on appelle ça être raqué. Ça n'a pas de lien avec l'acide lactique. C'est seulement que, des fois, parce qu'on fait un effort vraiment pas facile, ben les muscles, ils déchirent un petit peu. C'est tout à fait normal, là. Ben c'est pas super agréable, ça fait un petit peu mal. Ben c'est seulement ça. On pourrait dire que le corps, il y a comme trois systèmes pour produire de l'énergie. Il y en a un qui se nomme le système aérobie. C'est pas des efforts faciles ou des efforts légers. Il n'y a pas vraiment de limite sur la durée de temps. Ça peut aller jusqu'à plusieurs heures sans problème. Donc, exemple, quand on entend parler de danse aérobie, ça veut dire que c'est un effort quand même facile sur une durée un peu longue, genre une demi-heure et plus. Là, t'sais. Quand tu fais du steady state, genre jogger ou jogger longtemps, là, ben c'est ici que ça se passe. À ce niveau-là, le corps peut très bien s'organiser avec l'acide lactique. En fait, on s'en rend même pas compte. Il s'appelle aérobie parce que ça vient du mot air, parce que l'effort est long. Donc l'air respiré est un élément nécessaire dans la production d'énergie pour continuer l'effort. On est souvent ici, là. Quand t'es à l'école, quand t'es au travail, à la maison, ou bien des entraînements légers, bon, ben, c'est tous des trucs qui se passent dans le système, ou c'est des trucs qui se passent grâce au système aérobie. Un autre qui nous intéresse moins, c'est le système anaérobie alactique. Pour un effort très intense, très rapide, disons environ genre 20 secondes et moins, environ. Là. Il est extrêmement fort, c'est l'énergie la plus forte. Il s'appelle anaérobie parce que lui, là, c'est tellement rapide que l'air respiré pendant l'effort n'aura pas le temps d'être utilisé pour la production d'énergie qu'il a besoin immédiatement. Puis alactique, parce que l'effort est tellement court, donc l'athlète n'aura pas vraiment le temps de percevoir une accumulation d'acide lactique. L'effort va déjà être terminé avant que ça arrive. Donc, exemple, là, mettons un sprint de 60 mètres. Bon, ben, si l'athlète en fait seulement un, c'est le système anaérobie alactique qui va principalement être utilisé pour sa course. Donc, dans les deux qu'on vient de présenter, le système aérobie, puis il y a le système anaérobie alactique, on pourrait dire que le niveau de difficulté est toujours quand même assez facile. Soit très court, puis très intense, ou long, puis quand même facile. Par facile, là, on s'entend, c'est pas toujours facile, mais quand même, genre, c'est faisable. Là. Donc, exemple, des fois ici, là, on peut faire un long intervalle de 20-25 minutes, ou bien genre 12 fois 1000 mètres avec presque pas de repos en chaque, ou ça peut même être des séries de 200 mètres à vitesse modérée, ou plein d'autres exemples. Ben, tout ça, c'est dans l'aérobie. Ça, c'est le genre de séance que l'athlète peut aller plus vite. C'est normal! C'est fait pour être dans un niveau de difficulté quand même facile. Et il y a le système lactique. Lui, il prend la job quand les autres sont plus capables. Donc, exemple, là, si un athlète prolonge un sprint très rapide, jusqu'à, disons, 30, 40 ou 50 secondes, ben, au début, il est en anaérobie lactique. Et quand il sera plus capable de continuer, c'est le système lactique qui va poursuivre, mais l'effort va vraiment être moins facile. Même chose de l'autre côté. Exemple. Si l'athlète court une compétition de 10 km, au début, ça va être quand même assez facile, il va être en aérobie. Puis à un moment donné, pendant la course, il va arriver à un point où ça va devenir pas mal moins facile. C'est là que le système lactique va principalement être en charge. Chacun des trois systèmes existe en puissance et en capacité. Exemple, mettons ce système-là. Là. Il y a la plus grande vitesse que l'athlète est capable d'atteindre, puis il y a combien de temps est-il capable de la maintenir? Le système lactique, c'est la même chose. C'est quoi le plus vite que l'athlète est capable de faire dans le lactique? Et combien de temps est-il capable de garder? Ici, même chose. C'est quoi le plus rapide que ce système peut produire? Ce qui correspond environ à la performance sur 1500 mètres. Environ, là. Puis il existe en endurance, à savoir combien de temps peut-il la maintenir. En passant, on entend parfois parler d'expression, genre la PAM. Bon, ben PAM, c'est puissance aérobie maximale. C'est le plus vite que ce système-là peut produire. Il y a des synonymes, des fois on entend la VAM. Bon, ben la vitesse aérobie maximale. Ou bien VMA, vitesse maximale aérobie.
Parfois, on entend parler de VO2 max. Le VO2 max, c'est la plus grande quantité d'oxygène que le cœur est capable d'utiliser en même temps. Plus le cœur va être performant et plus le sang va être capable de transporter d'oxygène, ben meilleur va être le VO2 max. Et ça, c'est bon pour l'athlète. Comme tu l'as vu tantôt, c'est des choses qui s'améliorent déjà avec l'entraînement. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'en parler davantage. Donc, PAM, VAM, VO2 max, prends ça bien simple. On pourrait dire que finalement, ça revient pas mal tout au même. Ça revient à dire que c'est le plus vite que le système aérobie est capable de faire. Aussi simple que ça. Cet été, on a commencé à faire des longs entraînements des fois. On a appelé ça des Kenyan Runs. En fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Je l'ai pris quelque part. Mais ce que c'est qu'on commence la séance ici, en plein aérobie, facile, et progressivement, on accélère l'allure. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est rendu plutôt en puissance aérobie maximale. On essaie de rester dans la zone aérobie, là, genre un certain temps. Et ce qui finit par se passer, c'est qu'on finit par tomber dans le lactique. Quand on s'entraîne, une des choses intéressantes qui se passe, c'est que l'aérobie devient de plus en plus fort. Et ça, c'est d'une influence majeure sur les performances. Exemple, à ses débuts, Patrice a fait une compé intérieure sur 1000 mètres. Il a fait 3 minutes 1. Donc, comme c'était donné le plus qu'il pouvait ce jour-là, la compé pour lui s'est terminée dans le lactique, ce qui est tout à fait normal. Ok, parfait. Après ça, il continue à s'entraîner. Il a couru quand même pas mal, puis il s'est amélioré. L'aérobie s'est améliorée. Quelques années après, des 1000 mètres en 3 minutes, là, il peut en faire plusieurs dans une séance d'entraînement sans même nécessairement toucher au lactique, parce que l'aérobie est devenu beaucoup plus performant. L'aérobie est devenu capable de faire des nouvelles choses. L'aérobie est devenu davantage capable, et ça, c'est extrêmement bénéfique pour l'athlète. Et l'aérobie, ça s'améliore avec des intervalles, de différentes manières, mais beaucoup aussi avec le simple fait de courir bien relax. Les trois systèmes sont toujours utilisés en même temps. C'est seulement qu'il y en a toujours un qui est davantage sollicité selon le besoin du moment. On entend souvent parler du concept de vitesse. Genre, on entend souvent là, « Ah, c'est important la vitesse, faut développer la vitesse, je veux développer ma vitesse », puis toutes des affaires de même, tu sais. Mais les gens, souvent, ils réussissent pas à être d'accord sur différents aspects de l'entraînement parce que, justement, de quelle vitesse on parle? Il y a la vitesse, genre le sprinteur, ici, la vitesse maximale. Il y a la vitesse dans le lactique, puis il y a la vitesse dans l'aérobie, ce qui correspond à environ la performance de 1500 mètres. Donc c'est le fun de dire que la vitesse est importante à développer, mais laquelle et pour qui? Selon de récentes études, voici l'influence des différents systèmes d'énergie selon différentes distances. Donc comme tu peux voir, là, un 400 mètres, c'est 12% ici, 43% là et 45% dans l'aérobie. C'est quand même énorme, là. 800 mètres, 10% ici, 30% lactique, puis 60% aérobie. Pour la distance de 1500 mètres, c'est 8% ici, 20% lactique et 72% en aérobie. 5000 mètres, 4% ici, 10% lactique et 86% aérobie. Il existe trois sortes de fibres qui peuvent constituer les muscles. Les muscles sont constitués de fibres, puis il y en a trois sortes. Il y a les très rapides, sont très fortes, mais sont pas très endurantes. Il y a les moyennes, donc sont moyennement fortes et moyennement endurantes. Et bien sûr, les endurantes sont très endurantes, mais sont pas super fortes. Ça varie d'un athlète à l'autre. Je lance des chiffres de même, là, mais disons, il serait possible de croire qu'un athlète pourrait avoir environ, peut-être, mettons, genre 5% ici, 25% là et 70% ici. Ce serait probablement un athlète qui aurait du succès sur des longues distances, exemple 5000 mètres et plus, mettons là. Alors qu'un autre pourrait avoir environ 20% ici, 30% là et 50% ici. Ce serait un athlète genre 400, 800, 1500, bon, dans ces zones-là. Bien sûr, l'entraînement peut modifier ça un peu, mais à la base, il y a un grand aspect génétique à ce niveau-là. Donc bref, ça explique que les athlètes soient différents, que ce soit au niveau des forces de chacun et du succès qu'il va obtenir sur les différentes épreuves en compétition. Donc si les chiffres qui sont là sont aussi clairs que ça, comment peut-on expliquer qu'il y ait tant de confusion qu'on puisse trouver concernant l'entraînement? Voici selon moi des raisons pour expliquer ça.
L'athlétisme, dans l'ensemble, c'est principalement des épreuves d'anaérobie à lactique. T'sais, l'athlétisme, là, c'est souvent un sport de quelques secondes à peine, là, un saut, un sprint, un lancer. Donc, on côtoie beaucoup d'athlètes et de coachs qui s'entraînent pour des épreuves qui sont très différentes de nous. Donc, on se doit souvent de faire des choses pas exactement de la même manière. Il y a aussi que si le coach d'endurance provient du sprint, il tripe probablement bien raide sa grosse vitesse. Puis comme on l'a vu tantôt, ça ne devrait pas être une priorité pour des épreuves d'endurance. Puis si ce coach-là, il entraîne des athlètes d'endurance qui commencent, comme c'est des coureurs en plein développement, ils vont progresser facilement. Alors l'entraîneur, il est sûr que sa méthode est géniale parce que les athlètes progressent, mais il pourrait possiblement obtenir encore plus de succès s'ils s'y prennent autrement. Moi, j'ai pas de préférence. Je vais seulement selon les chiffres que je vois là, en appliquant une mentalité scientifique basée selon les données qu'on a. Puis quand on met ça en application, on a du succès. Pas seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme, avec tous les athlètes sur toutes les distances, et qu'ils soient débutants ou expérimentés. En plus d'être une excellente méthode d'entraînement, ça permet de développer des athlètes plus complets qui peuvent avoir du succès sur plusieurs distances. Exemple, Grégoire ici, il a couru 1,51 aux 800 mètres pendant l'été, puis pendant l'hiver, il a couru 50,44 aux 15 km. Ce sont toutes deux d'excellentes performances. C'est plus agréable que de pouvoir seulement être bon sur une ou deux épreuves qui sont presque pareilles. Dans l'entraînement, il faut comprendre qu'il y a une différence entre développer une qualité et l'entretenir. L'entraînement et les priorités varient selon les différents moments de l'année. Exemple, lui, là, en hiver, on va probablement lui donner à chaque semaine un total comme de 1 ou 2 400 mètres rapides, genre en, mettons, 53 secondes. Là. Bon, il y a plusieurs variantes possibles, mais ça, c'est un exemple. Et si pendant l'hiver, on lui fait faire une compé comme de 600 ou 800 mètres, mettons, avec ce genre d'entraînement-là, on sait que la performance a été faite avec pas beaucoup de travail très intense. Donc, c'est une performance acquise, là. On le sait, l'athlète, il peut faire ce chrono-là à ce moment-là de l'année sans problème. Donc, ça donne une idée pour ce qui s'en vient plus tard. En été, ça va être différent. Par semaine, ça pourrait être un total de, disons, 6, 8 ou, mettons, 10 fois des 400 mètres rapides ou autres, là. Bref, tu vois le genre. Donc, l'entraînement et les priorités vont varier selon les différents moments de l'année. À certains moments, on fait simplement entretenir des qualités, alors qu'à d'autres moments, on les développe beaucoup. Fait que si on fait un petit résumé, là, on pourrait dire que plus le cœur est fort et plus la vascularisation est efficace, plus que ça fournit de puissance pour avancer. Ce qui est tout à fait normal, puisque le sang transporte ce qui est nécessaire pour obtenir l'énergie. L'énergie que tu as besoin est créée à partir de ton alimentation et de l'air respiré. Utiliser cette énergie-là crée de l'acide lactique. Quand le système aérobie n'est plus capable de s'organiser avec, on tombe dans le lactique et ça devient moins facile. Les muscles sont formés de ce qu'on appelle des fibres musculaires. Il y en a trois sortes. Tout le monde, tous les humains sur Terre ont toutes les trois sortes de fibres musculaires. Ça, c'est sûr. Mais ce qui varie, c'est le pourcentage de chacun. Le genre de fibres musculaires que l'athlète a va être un facteur d'influence majeur pour ses forces sur les différentes distances de course. En passant, le type de fibre n'a pas de lien avec la grosseur du muscle. Alors, j'ai fait ce film-là pour t'expliquer en gros ce qu'on fait à l'entraînement. J'imagine que ça t'a permis de mieux comprendre. Tu sais, ça se peut des fois là, que tu aies une question sur l'entraînement. Tu me la demandes, je te réponds, puis ça finit là. Fais juste prendre pour acquis que je sais où ce qu'on s'en va, puis ça fonctionne. Ce film-là, il a été fait en 2014, puis j'ai simplifié au maximum pour permettre à l'athlète de comprendre ce qu'on fait. Probablement qu'un jour, quelqu'un va arriver avec un livre, puis qui va dire que le contenu de ce film-là, il est pas exact, ou bien que c'est pas tout à fait vrai, ou pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Bon, ok, on verra rendu là. Je m'en fais pas avec ça. Ce qui compte, c'est que les principes d'entraînement que je viens de te communiquer ici fonctionnent. C'est la seule chose qui compte vraiment. Je vais laisser des scientifiques jouer avec les mots compliqués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser l'athlète. Puis quand on applique ces principes d'entraînement-là, ben ça fonctionne. Mais tout ça, c'est le corps humain. Des muscles, un corps, rien de plus. L'individu est plus important. Exemple, dans une course de voiture, les caractéristiques de la voiture sont des facteurs d'influence, c'est sûr. Mais quand même que tu aurais la meilleure voiture au monde, le pilote qui est assis dedans est encore plus important. Bon, ben pendant la course, là,
de succès dépend pas seulement du nombre de kilomètres que l'athlète a couru, mais ça dépend surtout de son attitude, sa combativité, de son sérieux à bien s'entraîner et vouloir progresser. Puis une chose qui va t'aider à progresser est de voir grand. Si tu t'entraînes mais que tu n'as pas de but ou que tes buts sont petits, ben tu vas progresser petit. Ça ne veut pas dire que tu dois faire un record du monde à chaque course, là. Non, non. Mais justement que quand tu vois grand, que tu as de grands buts et beaucoup d'ambition, les choses deviennent davantage faciles à accomplir. Les choses impossibles deviennent finalement réalisables et la progression est plus grande. Bien sûr, l'entraînement que tu reçois a une influence majeure dans les performances que tu vas accomplir, mais jamais autant que l'influence que toi, tu vas avoir sur tes résultats. Vois grand, aie confiance en ton entraînement et en toi-même, puis il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire.